Dans les épisodes précédents, vous aviez aimé l'opération caca ? 1, 2, 3 ! Il reste à bouger ! Vous aviez suivi avec intérêt les premières plantations et les boutures avec les enfants ? Non ! C'est ça qu'on plante ! La partie où partirez les feuilles, c'est ça qu'on plante ! Vous allez adorer la suite de nos aventures au potager d'Élodie. Voilà, bon bah du coup j'ai flingué ma manucure. On est de retour donc chez l'horticulteur. Et là je prends des cardons qu'on va inclure dans le parcours mellifère. Voilà. Du jardin pédagogique, même si pour l'instant on n'a pas encore la réponse, mais on est optimiste. Ouais, je suis pas sûr. Voilà, donc Élodie a choisi différentes variétés de tomates pour son potager et également quelques poivrons, piments et aussi des courgettes. Et on va enlever la bâche. Donc, voir comment c'est là-bas dessous. Je crois qu'on peut dire que l'opération laitue a bien fonctionné, hein. V'là les laitues, quoi. On a eu un peu des limaces. Ouais, mais bon, regarde, elles vont bien quand même, hein. Petite séance de sport, c'est comme à la salle, mais en gratuit. C'est le rameur. Là, tu vois, on va retirer les feuilles basses parce qu'on va enterrer le bas de la tige. Comme ça, il sera enraciné plus profondément. Et okay. Voilà. Donc, on retire juste les feuilles du bas. On peut les laisser là, hein, ça va se décomposer. Hop, on met le pied dans le trou. Hein, très compliqué. Et puis ensuite, bah, au fur et à mesure qu'il pousse, tu l'enroules en fait. Hein. Bon, ouais. Je pense que ça, t'as déjà vu. Je ne t'apprends rien. Hop. Ouais, moi, là, pour l'instant, c'est un peu petit, mais... Mais voilà, donc ceux-là, t'as pas besoin de ficelle, c'est ça qui est pas mal. Après, je te dis, quand il y a trop de poids sur ces tuteurs en spirale, ils ont tendance à verser. Donc, attention, c'est pour ça qu'on met les tomates cerises dessus et pas les variétés très lourdes. Puis ben, après, ben, on rebouche, hein. Voilà. On rebouche le trou. Mais jolie la terre là sous le fumier. Hein. La franchement, terre elle est belle. Hein. Elle est belle, hein. Très belle.
et on fait ça tout le long. Allez, bah là on met l'étiquette. On met l'étiquette pour surtout pas oublier quelle variété c'est, parce qu'on va prendre les graines sur les variétés non F1 à la fin de la saison, enfin quand il y aura des tomates en fait, pour bah voilà, pour la collection de l'association. Voilà. La grainothèque de l'association. Voilà, voilà. Et donc là, ce sont les tomates cerises Black Cherry. Et tu vois, regarde, sur le pied de tomate, là, tu vois les petits points blancs, là. Ouais. Bah, en fait, c'est déjà des débuts de racines. Donc, si tu enterres cette partie-là, ton pied de tomate, il va faire plus de racines le long de la tige. Ouais. Donc, il aura un meilleur enracinement, donc meilleure autonomie en eau, etc., etc. Tu vois ? Trop bien. C'est pour ça qu'on enterre toujours une partie de la tige à la plantation. Alors, ça, Johan doit savoir. Il est en train de nous faire du bruit de fond. Donc ça, Johan doit savoir, mais tu vois, ça, c'est un gourmand. C'est une tige qui pousse entre la tige principale et la feuille. Ouais. Ok ? Si tu ne l'enlèves pas, alors on peut ne pas tailler les tomates, hein, c'est pas une obligation, mais si tu ne l'enlèves pas, tu vas te retrouver avec un buisson, un énorme buisson. Si tu veux les conduire sur une tige, c'est gourmand, faut les enlever. Donc celui-là, on va le garder parce qu'il est gros, on va le bouturer. Hop. Et tu vois, regarde, ça c'en est un aussi. Tu vois, c'est toutes ces petites pousses qui poussent entre la tige et la feuille. Et ben ça, tu les enlèves. Tu vois, là, 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 là. Et ça, faut passer régulièrement pour le faire. Hein. D'accord. D'accord. Alors là, on plante le piment. Piment d'Espelette, enfin piment Goriot. Toujours des jardiniers qui vont vous dire que c'est pas la peine d'arroser à chaque plantation. Moi je vous dis arroser pour que la terre autour des plants se rabatte bien autour de la motte et que les racines soient bien en contact avec la terre. Voilà. Voilà. Quand on pense qu'il y a 2 mois, il n'y avait rien, c'est trop joli. Trop joli. Donc là, Hélo, elle attache les tomates sur les tuteurs. Alors, c'est très éclectique au niveau des tuteurs. Hein. Certains seront rallongés en cours de croissance. Mais... Enfin bon, c'est que de la récup, hein, on fonctionne beaucoup comme ça, donc voilà. Trop beau! C'est bon. Donc là, ton basilic, quand tu vas le récolter, peut-être tu récoltes, tu vois, regarde. Regarde bien là, tu vois. T'as des petites feuilles qui poussent à l'aisselle des feuilles, tu vois. Oui. Donc tu coupes juste au-dessus. En fait, tu récoltes les pointes, les sommités, ça s'appelle. Ouais. Tu récoltes les pointes et en fait, ces feuilles-là vont faire des nouvelles branches. Donc ça va te faire une touffe de plus en plus importante. D'accord. Voilà. Donc tu récoltes. En fait, c'est les pointes que tu récoltes en gros. Et tu fais bien attention de te couper juste au-dessus de là où il y a des petites feuilles. Mais ça peut être un peu plus bas, hein, tu vois. Regarde là en dessous, il y en a. Ouais. Donc tu peux couper tout ça éventuellement. Enfin, pas là tout de suite. Laisse-le quand même un peu s'installer. Mais voilà. Et du coup, ta touffe va être de plus en plus. À la fin de la saison, là, ton truc, ça va te faire un gros basilic, quoi. Vive la touffe! Vive la touffe! Et là, qu'est-ce qu'on a mis? On en profite. Et là, on a mis la menthe. Donc là, c'est pareil, hein. Ça a l'air tout petit comme ça, mais à la fin de la saison, ton truc, il va être rempli de menthe. Et alors, ça, la menthe, ça s'étale.
Trop bien. Hop. Donc là, pareil. Donc oui, je me casse pas la tête à y aller avec la pelle, là. Hein. C'est pas la peine. Hein. Voilà. On lui fait un petit trou. On tasse au pied, puis après on va arroser tout ce petit monde. Déjà qu'il est resté un peu trop longtemps en pot, celui-là. Ah bah ouais, mais on a des emplois du temps chargés. Hein. Ah bah oui. Hein. On fait ce qu'on peut. Voilà, il va être bien. Nickel. Voilà, allez, on va arroser, ça va tasser un peu tout ça, et puis voilà. Donc, alors, il y a du vent, j'espère qu'on m'entend. Avec Elodie, on avait fait la dernière fois un semis de betterave. Et comme on l'avait dit dans la vidéo, eh ben, les betteraves, c'est pas des graines, c'est des glomérules. Donc, il peut y avoir plusieurs plants qui poussent avec une seule graine, comme ici. Voilà. Alors ici, c'est pareil, il y en a un deuxième en dessous, ici aussi... Alors, faut savoir qu'on peut les planter en touffe, mais comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi je trouve que ça se développe quand même mieux quand on prend la peine de les séparer individuellement. On pourrait les repiquer en pleine terre, mais voyez, celles-ci, elles sont quand même encore pas mal petites. Du coup, on va plutôt les repiquer individuellement en godet et les laisser pousser jusqu'à ce qu'elles aient 4 vraies feuilles avant d'aller les planter en pleine terre au potager. Super compliqué, hein. On remplit le pot sans trop tasser, on fait un trou au milieu comme ça avec le doigt, on prend un petit plant, s'il y a un peu trop de terre on enlève, voilà, on met les racines dans le trou et on l'enterre pas trop par contre, hein, quand même, enfin, jusqu'à la base des feuilles quoi, hein. Tu vois, voilà, donc après tu rajoutes de la terre là comme ça, hop, enfin du terreau au bord. Jusqu'à ce que le godet soit bien rempli. Voilà. Et après, on met avec les copines. Des petits plants repiqués individuellement. Donc là, on attend qu'ils aient 4 vraies feuilles avant de les planter en pleine terre. Et comment s'appellent déjà les petites feuilles? Les cotylédons. Ça, c'est pas des vraies feuilles, c'est les premières feuilles qui apparaissent quand la graine germe pour que la plante commence à faire sa photosynthèse. Okay. On voit d'ailleurs qu'elles n'ont pas la même forme que oui, les. Voilà. Elles sont moins nervurées pour moi. C'est ça. Donc ce qu'on attend là, c'est qu'il y ait 4 vraies feuilles à peu près pour les mettre en pleine terre. Bon, celui-là, il n'est pas très loin, hein, mais voilà. Il y en avait d'autres qui étaient plus petits. Donc voilà. Et ensuite, donc là, on a les boutures qu'on avait fait avec les enfants, qui ont pris visiblement. Donc on va les repiquer individuellement en godet.
Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va juste mettre de l'eau dans les bacs là pour faire tremper les pots, pour bien mouiller le terreau. Surtout que là, le terreau est un peu sec. Donc l'idée, c'est qu'il soit de nouveau bien imbibé d'eau, bien humide. Et une fois que le terreau sera bien humide, eh ben, on enlèvera l'excédent d'eau pour éviter que les petits plants ou que les boutures pourrissent. Voilà, donc c'est tout simplement un arrosage par trempage. Rien de nouveau si vous avez l'habitude de suivre la chaîne. Donc alors, après avoir galéré dans le big bag dans le coffre de la voiture la dernière fois, Johan nous a gentiment vidé la remorque qui était occupée. Et du coup, on a pu aller chercher du fumier avec la remorque cette fois. Ce qui est quand même vachement mieux, on va pas se mentir. Voilà, donc... Merci Johan. Et tant qu'on y est, vu que il tenait, Johan a pas planté les courges là-haut, en haut de la butte là-bas, pour que le feuillage retombe sur la bâche. Donc ça, vous inquiétez pas, hein, c'est le bois qu'il a coupé là-haut qu'on va broyer. Donc on a mis du fumier là-haut, on va aller vous montrer, et on a planté des butternuts, des courgettes. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Et comme il a vu qu'on galérait à monter là-haut, hein, et ben Johan nous a fait un escalier, voilà, pour qu'on puisse monter en galérant un petit peu moins. Et effectivement, c'est quand même moins casse-gueule. Hein, voilà. Merci Johan. Donc vas-y, montre-nous comment fonctionne bien l'escalier de Johan. Le sac étant très lourd. Hop. Voilà. Donc on est bien d'accord, ça va quand même mieux avec l'escalier. Et donc on a versé du fumier sur toute la longueur du potager. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'elle marmonne là-haut. Donc en fait, on a mis du fumier là-haut sur toute la longueur de la butte. Voilà, voilà. Et c'est là que seront les cucurbitacées. Je dis les cucurbitacées parce qu'on a mis courge, courgette, et je crois que Johan voulait tenter aussi des melons. Voilà. Il y a des gens qui persistent à vouloir tester les melons à la montagne. Hein. Moi aussi, j'essaye, mais on sait tous que ça ne marchera pas. Il faut oser. Ah, mais il faut oser, hein, ça. Et puis notre ami Bernard. Ça coûte rien d'oser. Non, mais tu sais, moi aussi, moi au début, je suis pas partie perdante, tu vois. Je me suis dit, il y a moyen, ça va marcher. Oui. Sauf qu'en fait, bah non. Parce que non. Waouh, comme elle arrose bien. Et voilà la première salade du jardin d'Élodie qui était ramassée ce soir. On va la nettoyer, enlever quelques petites feuilles les plus abîmées, celles du fond, comme je dis. Hein. Et puis on la mangera ce soir. Donc tout le monde est bien content. Premier légume du jardin qu'on va manger ici. Allez, à bientôt.